Bonjour. Bonjour. Vous avez deux casquettes, Grégory. La première, vous êtes occupé sur le salon de toute la partie Enterprise et vous êtes aussi directeur associé de chez Smile. Alors, c'est peut-être bien ça. Un petit focus peut-être sur l'événement et ce focus sur la partie Enterprise. Votre sentiment ? Bah écoutez, je pense que compte tenu des événements, en tout cas on a fait, et ça c'est pas terminé, mais un très bel événement. Dans cette nouvelle version, le Paris Open Source Summit, on souhaitait mettre les grands utilisateurs, nos clients, au centre de l'événement. Et je pense que sur ce point de vue-là, c'est oui, vraiment, parce qu'on a une trentaine de grands groupes qui se sont déplacés, PSA, Orange, Airbus, Air France, voilà, qui sont venus témoigner de l'utilisation massive de l'open source. Encore là, tout à l'heure, il y a quelques minutes, c'était Google. Je pense que ça, d'un point de vue qualitatif, c'est vraiment une vraie réussite. Et c'est ce que recherchent les participations du salon, absolument. Oui, parce qu'à un moment donné, je pense que par rapport à l'histoire de l'open source, il faut prouver, il nous reste à prouver que l'open source, c'est pas simplement une alternative crédible, mais ça peut être aussi un axe stratégique de développement. Absolument. Quand on écoute hier Christian Patterson d'Orange, qui s'occupe de la gouvernance open source, ou bien Peter Chenians de Airbus, c'est ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire que l'open source, aujourd'hui, a rentré peut-être dans ces entreprises avec le sujet des achats, du ROI, mais aujourd'hui, ça fait partie des axes stratégiques de développement de leur groupe, et ça, c'est un vrai succès pour l'open source. Très bien. Alors, l'autre actualité, quand même, c'est chez Smile, un rapprochement avec OpenWide. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est, les enjeux et les impacts sur votre activité. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est l'actu chaude qui nous concerne. Je pense que le marché de l'open source, du logiciel libre, doit continuer de se consolider. Mm-hmm. Au travail, nous, aujourd'hui, chez Smile, on travaille avec 70-75% des clients du CAC 40, des clients comme Total, des gens comme Orange, des gens qui sont exigeants, qui ont des projets de très grande envergure. Aujourd'hui, on travaille sur des projets qui dépassent les millions d'euros et des milliers de jours hommes. Et il faut avoir une organisation, une taille critique qui réponde à ces clients de plus en plus exigeants parce qu'ils ont des projets digitaux open source qui sont vraiment ambitieux. Et donc l'idée, en tout cas, c'est de continuer à consolider le marché. OpenWise, c'est une superbe entreprise. On a rencontré des collaborateurs vraiment passionnés, très expérimentés. Ensemble, on va former un groupe de 1000 personnes avec des sujets qu'on ne maîtrisait pas ou peu chez Smile, comme des notions d'embarquer, par exemple, ou bien du mobile natif. Ça, c'est des sujets qui nous intéressent énormément. Qui vont compléter votre offre. Et c'est vrai que ça va compléter notre offre, ça va la renforcer. En termes d'infogérance, on devient le numéro du marché sur la mobilité. Sur le Java, on vient aussi un des leaders du marché. C'est vrai que c'était pour nous, en tout cas, le rapprochement idéal. Vraiment, on est très, très contents, en tout cas, de pouvoir compter sur eux et de former cette nouvelle ensemble qui sera désormais incontournable en Europe. Oui, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance. Et puis, peut-être un message à faire passer pour les gens qui sont là, ici, sur l'event. Qu'ils en profitent, je pense qu'ils en profitent, qu'ils viennent un petit peu à la rencontre de tout le monde. Et puis, un peu comme je disais tout à l'heure sur les grands utilisateurs qui ont consommé de l'open source et aujourd'hui deviennent acteurs, j'incite aussi l'ensemble de la communauté, l'ensemble des partenaires, les éditeurs, les sociétés de services à se rassembler et à venir aussi à participer à l'organisation. C'est un travail de titan, c'est un travail de 6 mois, 1 an. Et là, je remercie, je félicite tous ceux qui ont travaillé à nos côtés, hein, Systématique, Tarsus, Alterway, Smile, Enix et tous les autres. Et c'est vrai que c'est un travail énorme. Voilà, donc le mot à faire passer, c'est n'hésitez pas à venir à nos côtés, n'hésitez pas à venir à participer. Et je pense que on l'a prouvé avec les événements tragiques, on a réussi à maintenir l'événement. Et on à maintenir la communauté qui est venue et qui a répondu présente. On est présente. Unis, on est présent et je pense, j'y travaille dans toutes les instances représentatives du logiciel libre. On arrivera en France à faire de très grandes choses si on est unis au niveau de la communauté, de l'écosystème du libre. Et voilà, c'est le message que je veux faire passer. Travaillons tous ensemble à une meilleure promotion de notre activité. Message reçu, Grégory. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.